Hey, salut à tous, c'est Sandwich, et aujourd'hui on se retrouve sur Unreal Tournament, un jeu d'Epic Games, hein. Ils sont en train de refaire le Unreal de 99, ils le remettent au goût du jour, et honnêtement c'est pas plus mal, parce que j'ai pu y rejouer l'autre jour en LAN, au 99, et le gameplay, tout ça va quoi, ça a pas vieilli, mais... Ah, niveau graphisme, ça pique un peu les yeux, ouais. C'est vrai que depuis les jeux ont un peu évolué. Du coup, on va se retrouver sur cette map. Moi, je suis lui. Et normalement, vu l'heure à laquelle je joue là, il doit être ouais 11 h, un truc comme ça. Bah, on devrait tomber sur des bots. Mais c'est pas dit qu'il n'y ait pas des joueurs qui nous rejoignent. Le jeu est en pré-alpha, hein. D'ailleurs, le titre complet du truc, c'est Unreal Tournament pré-alpha version, je crois, quelque chose de comme ça. Ah, forcément, donnez-moi un lance-roquette et je me suicide, hein. Et le jeu est ultra fluide, c'est ça qui est. Et le gameplay est toujours aussi rapide. Et je suis toujours aussi mauvais. Ouais, mais ça changera pas. Hein. De plus, ils ont rajouté quelques petits trucs. La petite glissade, hein. Je trouve ça vachement cool. Waouh! La petite glissade. Alors. Hop. Ça va pas être évident de parler en même temps. La petite glissade, ils ont ajouté un... Attendez, je vais essayer de le faire, voilà. Vous pouvez courir sur les murs, vite fait. Et ensuite, vous pouvez vous expulser sur un autre mur, mais ça, moi, j'arrive pas à le faire. Hein. Je suis pas assez doué. Hein. Je le reconnais. Ah bah, je suis passé juste devant son tir. Et sinon, on peut faire le mort. Voilà. Et ça, contre des vrais joueurs, ça marche pas mal. Bon, vous perdez votre arme et généralement elle est à côté. Donc, vous la récupérez assez vite. Alors, nous voici l'extérieur. Ben, l'extérieur, ça va, mais il y a quelque chose qui est dérangeant. Je sais pas, c'est assez bizarre. Il y a un truc bizarre, je trouve. Mais par contre, là. Voyez, je sais pas, il y a un certain esthétisme. Non, je trouve ça claque, moi, je sais pas, il y a quelque chose de. De cool. Oh, j'ai complètement foiré, oui. Non, 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 je trouve le jeu super joli. Ça se voit qu'il était fait avec l'Unreal Engine. Oh, il faut que je change d'arme, je suis une buse complète. Oh. Le bot était un peu statique là. Essayer de le pourchasser. Ouch. Ah, il y a quelque chose dans le graphisme qui est vraiment sympa. Disons que la direction artistique là a vraiment fait du bon boulot. Sinon, quoi dire sur le jeu? À part qu'il est très fluide, hein. Moi je joue en ultra là, en 60 FPS bloqué, hein, constant. C'est vraiment plaisant, vous le voyez. Hein. Après sur la capture, j'espère que ça rendra le même effet, mais c'est vraiment très fluide. Savoir aussi, le jeu est en free to play. Enfin, pour l'instant vous pouvez y jouer vu qu'il est en pré-alpha. Après, je sais pas ce qu'il adviendra du jeu, hein. Son modèle économique, pour l'instant, je sais pas ce qu'il sera. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller sur le site Unreal Engine. Unreal Tournament, pardon. Je raconte n'importe quoi. Et ouais, n'hésitez pas à m'ajouter, hein. Vous avez vu mon pseudo. Comme ça, on pourra jouer ensemble. On évitera d'avoir des bots. Aussi bien pour vous que pour moi. Ce sera plus plaisant, même si des fois les bots peuvent vous mettre une tôle. Ah, il s'est suicidé? Ou il a fait un rocket jump?
une cible immobile. Ah bah voilà, au bout de 40 roquettes. Sinon que dire, il y a un endroit où vous pouvez uploader vos vidéos, histoire que ça fasse un peu communautaire et tout, c'est assez sympa. Je vais pas tester, hein. C'est le Fraxhunter vidéo je crois, quelque chose dans le genre. De toute façon, le jeu est tourné assez compétitif, j'ai l'impression. Ouais, vachement compétitif, j'ai l'impression, le jeu. Enfin, quand il sera terminé, ça devrait donner quelque chose de pas mal. Parce que là, je sais pas si je vous le montrerai en vidéo, hein, faut rendre quand même hommage au jeu. Ouh, on va lancer la boboule verte. Je vais mettre des maps qui sont terminées, hein, avec des graphismes et des textures, parce qu'il y a pas mal de maps. Ah, j'ai loupé. Voilà. Il y a pas mal de maps qui sont pas texturées encore. Sinon, en mode de jeu, hein, Capture the Flag, là on fait un deathmatch, hein, classique, chacun pour soi. Il y a du deathmatch en équipe. Les modes sont très classiques. Si je te mettais un seul coup de pompe. Ah, j'ai foiré. Il est passé où d'ailleurs? Ah, je vais perdre mon bonus. Oui, je disais, ouais, je crois que je sais pas s'il y a un truc de poursuite, c'est-à-dire un contre tout le reste et vous devez le tuer. Je ne sais pas. De dire quelque chose en jouant en même temps, ça s'est tendu. J'essaye en même temps de vous montrer que j'ai un skill. J'ai un skill pour m'auto-suicider. Enfin, non, se suicider, c'est déjà de l'auto. Ça ne veut rien dire ce que je dis. Un peu statique toi le bot par contre. Les armes ont toutes, comment dire, un tir principal et un tir secondaire. Là vous voyez, j'utilise le tir secondaire. Le tir principal c'est genre le pompe, hein. C'est l'équivalent d'un pompe, le flak. Je crois que c'est le flak, je suis pas sûr. Je ne sais plus les noms. Et genre pour le snipe. Voilà, bon, le bot me laisse. Il y a une aide à la visée, hein, pour le snipe avec la lunette. Alors à mon avis, on pourra l'enlever dans tous les modes. Est-ce que vous pouvez utiliser... c'est l'Unreal Tournament Editor. Hein. Vous pouvez faire vos modes. Vous pouvez, je crois, faire du modding de map aussi, je crois. Tout ça, c'est à revérifier. Hein. Prenez pas... Je... Ça compte comme un frag, je m'en fous. Voire deux, parce que... Parce que je me suis suicidé. Je me suis pas penché sur tout le reste du jeu, hein. Je n'ai fait que jouer. Moi, je suis le genre de joueur qui joue et qui s'intéresse très peu à ce qu'il y a autour. Alors lui... Son tir secondaire c'est ça, et quand on tire dessus on peut faire une grosse explosion. Après je sais pas exactement les dégâts que ça peut engendrer, mais... D'ailleurs on va essayer. Reviens là. Loupé. Waouh. Que vous redire d'autre sur le jeu? À part que j'aime beaucoup. Est-ce que ça garde le... Bah ça garde la bonne ambiance quoi. C'est toujours aussi rapide, c'est fun. L'ambiance dont je parle c'est les multi-kills. Est-ce qu'elle est immortelle? C'est monster kill. Headshot. C'est toujours plaisant, hein, ce jeu, de toute façon on y revient pour faire quelques frags. Ça c'est vraiment cool quoi. Parce que la mort est pas punitive, vous voyez.
vous respawnez direct, hein. Vous repartez dans la guerre, dans le chaos le plus complet. Dans le chaos le plus complet. Et c'est ça qui est cool, quoi. C'est vous essayez de jouer du mieux que vous pouvez, vous mourrez, c'est pas grave. Hein. Y a que le score qui change. Attendez, je crois qu'il est passé par là. Hein. Bon, il a disparu. C'est pas grave. On va prendre un meilleur flingue, le flak. Je l'appelle le flak, moi. Je sais pas si c'est son nom, hein. Je ne sais plus. Bah écoutez, premier de la map, hein. Enfin c'est contre des bots, contre des joueurs, c'est un peu plus rapide encore, c'est plus rapide que ça même, c'est ça part dans tous les sens, et c'est assez jouissif quoi, tout le monde avec des lance-roquettes et tout. Alors oui, vous gagnez des points, vous gagnez de l'XP, cette XP de ce que j'ai pu voir, si je dis pas de bêtises, ça vous permet de débloquer des skins. Voyez, voyez là les maps, elles sont pas, y a pas de texture. Hein, c'est... En revanche, celle-ci a l'air pas trop mal. Elle a l'air, ouais. On va voir ce que ça donne. Hein. On va jouer dessus un peu. J'y suis peut-être allé une. Oui, attendez. Non, je crois que je la connais pas cette map. Non, pour moi, il y en avait qu'une qui avait des grosses textures, je crois. Le jeu est mis à jour assez souvent d'ailleurs pour ajouter tous les nouveaux trucs. Donc ouais, c'est vraiment sympa d'avoir un jeu. Bah déjà d'une, un jeu gratuit, même si c'est un peu. Même si c'est un peu une repompe justement de. Mais c'est assumé hein. De celui de 99. Tu ne veux pas mourir. Mais ouais, avoir un jeu est quand même joli, hein. Vous le voyez. Oh, il a bougé pile. Un jeu, ouais, assez. Oh, je vais pas réussir à parler là, je suis concentré, je découvre en même temps la map. J'essaye de jouer assez. Enfin, du mieux que je peux. Qu'est-ce que je disais? Oui, avoir un jeu qui est. Mais qui est gratuit. Et ah, le bot n'a pas réussi à faire ce que je viens de faire. Ah. Le bot. Et... Le bot a voulu apprendre de ses erreurs. Hein. Il l'a essayé une deuxième fois dans l'autre sens. Et c'est joli, c'est fun, c'est fluide. Que demande le peuple? Du coup, vu que le jeu est en pré-alpha, bah, y a un suivi constant. Donc que du bon pour l'instant. Hein. Que du bon. Puis même si le. Si les graphismes du comment dire. Sont pas terminés sur le jeu. Oh la vache Mais merde. Je galère à parler et tout en même temps. Ça devient horrible. Même si ouais il y a des maps où les graphismes ne sont pas terminés. Hein. Bah écoutez, c'est pas bien grave, hein, tant que le gameplay est là. Les graphismes ne font pas tout. Bien sûr, c'est sympa. Bah attendez, on est sous l'eau. C'est toujours mieux d'avoir des graphismes jolis, mais enfin, on peut s'amuser quand même sans. Hein. C'est ce qui se passe. L'autre fois, j'étais en LAN, ouais, comme je vous disais. Et on s'est bien marré, franchement, dessus. Bah même sur le 99. J'ai pas réussi à faire un long truc. On va réessayer, on va repasser. Ah! Trop juste. Eh ben. Ah, Mako, ça doit être un joueur. Parce qu'il a un pseudo qui ne ressemble pas à un pseudo de bot. Ouais, c'est un joueur, ça se voit à sa façon de se déplacer.
Oh la vache, 3 roquettes. Il y a toujours ce petit dash hein, sur le côté qui rajoute... Alors macho. Reviens là macho. Un petit duel entre vrais joueurs, ce serait cool. Yes. Enfin bon, j'ai utilisé le laser, donc c'est pas très... C'est pas très glorieux, mais bon. C'est un kill, ça marche quand même. Ça c'est pas mon problème. Ah mais macho il est devant moi, mais où est-ce qu'il voit les types? Moi le problème c'est que je les vois pas. Puis quand je les vois, je tire à côté. Allez cool, c'est un peu de vie. Ah, ça aurait été tellement beau que je lui mette un petit HS là au snipe. Forcément. Ça n'a pas été le cas. Hein. Hop. Petit. Ah, il est toujours devant moi, hein. Il va gagner. Hein. Ah, c'est pas juste. C'est pas juste. Oh la vache. Combat d'infirme. Enfin je dis ça pour moi hein. pas pour macho. On peut pas critiquer le vainqueur d'un duel hein. Ça me semblait évident. Ah nous voilà avec macho. Avec Macho Man, il nous a encore poutré. Moi je suis bon qu'à tuer du bot. Tiens Macho. Ah oh, troll face. Ah, j'ai rien foutu avec mon lance-roquette, c'est horrible. Oh! Ah, mais à chaque fois que je le croise, il me met une tôle monumentale. Ah, c'est ça, je suis bon qu'à tuer du bot. Hein. Ah, je suis repassé devant. Plus que 3 minutes à tenir. Ah non mais je tourne en rond là, je sais pas ce que je fais. Oh il a un boubou en plus l'enfoiré. C'est vraiment pas cool. D'avoir un bouclier. Quand les autres en ont pas. Bon il l'a pu, mais par contre, moi j'ai plus de balles. Y'a rien par là. Par contre il... Voilà. Il était un peu statique là. Tant mieux, j'aime bien les kills faciles.
Merde. Et quel kill! Il est plus facile que de se tuer soi-même. Yes. J'ai backshooté Macho. Mako? Ah non, Mako. J'ai lu Macho. Je sais pas pourquoi. Tiens, je lui pique son frag. Et en plus, je le tue. Yes, et en plus j'ai une armure. Ouais, yes. Ça ne résiste pas face à un lance-roquette. Je t'aurai, Macho. Attendez, il est où? Ah, je l'ai perdu de vue. Non, Judas, tu m'intéresses pas. Ah, les bots, ouais, n'arrivent pas à faire ce petit geste de la glissade. Qu'est-ce que c'est que ce dawa là? Non mais Judas, il s'est baissé pour éviter le truc. Yes! Eh ben écoutez, que dire de plus, hein? Ouais, Mako était un joueur. Que dire de plus sur jeu? Bah écoutez, c'est fun, hein, et puis si... Vous pouvez le tester, hein, du coup, hein, vu que c'est gratuit, allez-y. Hein. Et si vous jouez, n'hésitez pas à me rajouter, je ne sais plus si je l'ai dit, ça, histoire qu'on joue ensemble, hein, qu'on n'ait pas de bot. Et ben voilà, bah écoutez, on se termine là, c'était deux petites parties tranquillou, je me suis bien marré. Et ben écoutez, bah, à plus, tout simplement. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous, c'était Sandwich.